Je les suis depuis le 1, la team chocolat suisse. Hein. Ils sont chauds, ils vont son chocolat quelque part. La team rage à côté. Team rage qui est pas contente. Ah, ils ont dû perdre le Janken parce que le match-up est quand même assez relou à anticiper et à se farcir, mais ils sont quand même allés loin. Hein. C'est ton team qui avance réellement à petit feu. Hein. Vraiment petit feu. Oh la Ruma, elle rigole pas. Hein. Vraiment pas le temps du tout. Il est déjà très agressif, même s'il a pris plusieurs coups assez importants dans ce match. Très bon 360. Les mix-up juste après du mal. Il n'y a pas vraiment de mix-up du mal, hein, finalement. Puisque le saut vertical des Iman le met à peu près, on va dire, à l'abri d'à peu près toutes les possibilités. Il aurait fallu avancer, se baisser de l'ariaté. Wow ! Plutôt que de faire combo, saut vite 360. Les Iman qui est très facilement lisible dans son jeu de Hadoken, pour qu'il se prenne deux fois ce coup-là, c'est que c'est assez simple. Là encore une fois, un gros pied cassé par Yex main verte. Il est en avance, Hiruma. Et Iziman a beau spammer les Hado, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout. C'est très dangereux. Ah, cette série de Hadoken de l'enfer. Ça ne veut pas se tuer. Je ne vais pas me tuer la voix pour... Oh là là, ce marathon chope. Le marathon suisse. Le marathon suisse, les amis. Oh là, par contre, là, c'est pas bon. Là, c'est vraiment dans une sale situation, Iziman. Même s'il reste baissé. Bah oui, le tournoi a bloqué à 64, mon gars. C'est comme ça. Sinon, le tournoi, il se termine pas. On vous a dit, hein. On a, le Mostenfest n'a pas menti, hein. Ça fait 3 mois qu'il bloque le tournoi 64. Fallait vous inscrire en premier, hein. Arrêtez de pleurer. Faites vraiment que des pleureuses. Des pleureuses. Rionel le premier. Inscrivez-vous et arrêtez de chialer. Il y a du son sur les... Non, non, il y a du son là. Il y a du son sur les écrans. Il y a du son sur les écrans. Moi, j'ai joué avec le son, en tout cas. Hein. Je les ai fait, les tournois. J'ai du son sur les écrans. Ouais, bon, ce gros pied. Il n'y a jamais de son sur Cop, de toute façon. Il le mérite pas. Pourquoi vous avez besoin du son? Oh, arrêtez, arrête, arrête, frère. Genre, t'as besoin du son. Mais non. Ouais. C'est quoi le prochain solo? Ouais, Kagoul, ouais. K et Goul. Non, K et Goul. C'est ça. Oui, c'est ça, Kagoul comme ça. C'est Malone, non? Hein? Si, mais c'est marqué là, non? Comment ça? Il semble que c'est Malone. Un Majestic. Voilà, c'est ça. Gestic, gestic maintenant. Tu rajoutes gestic. Voilà, impeccable. Avec un C. Avec un C. Un K, avec un K. La Chun-Li de Majestic. Mais non, mais ça va. Ouais, moi là, si vous voulez, je peux aller le faire. Eh bah, c'est parti, je vais faire mon match à Breaker. Donc, je vous laisse à profiter de cette fin de match avec. Avec je ne sais pas qui au commentaire. Je vais aller voir s'il y a du son sur les écrans de coffre. Ou si on m'a réellement baisé la gueule. Arrête de chialer, Frionel. Oh là là, le mec. On a plus de commentaires, dis donc. Pour l'instant, on n'a pas de commentaires. Prime, Prime. Il y a Prime qui va arriver pour commenter.
Non, non, bon, Majestic avec Dalsim et Kagoule avec Chun-Li. Moi, je vous laisse, c'est Prime qui prend le relais. Allez, c'est un match entre Team Chocolat Suisse et Kagoule. Alors, c'est vraiment le match des... Ah non, Chun-Li, c'est pas l'autière. Hein. Chun-Li, c'est très très bien, très très fort quand on voit ce que Valmaster en fait. Et ben là, c'est un bon représentant aussi de Chun-Li, hein, Majestic. On connaît très très bien. Et puis, Kagoule. Arrête de m'embêter, Abou. Hein. Tu sais que t'as chaté, Abou. Hein. Allez, ça se jauge pas mal, hein, ça se jauge pas mal. Y'a pas vraiment de folie là pour l'instant. Allez, HK, ça punit. Majestic, il est bien, hein. Majestic, il est très très bien pour l'instant. Ouh là là, l'ultra qui ne passera pas. Et voilà, si Majestic là, si Majestic gagne là, il remporte ce match et passe au tour suivant. Il faut garder ça, hein. Il faut garder les goûts double saut, gros point, gros point. Allez, toujours Majestic est en avance à l'énergie, il monte tranquillement sa barre de super aussi. Je sais pas si vraiment elle va lui servir, hein, contre Dalsim. Et gros point qui rentre. Je connais pas du tout l'ampleur de ce match-up là, mais en tout cas elle a l'air très très bizarre. C'est tout ce que je peux vous dire. Oh là là, le saut HK qui rentre avec le combo qui est droppé sur la fin. Allez, ça donne en tout cas une bonne avance à Majestic, en tout cas avec sa Chun-Li qui va certainement éliminer la team Rage Kagoule avec le HK qui passe. Donc c'est terminé pour Kagoule et Hiruma. Et c'est les chocolats suisses qui passent